Allô, allô tout le monde, c'est Valérie, Insomnie XX. Alors aujourd'hui, ben en fait hier, j'ai reçu par la poste une enveloppe de Cricut Paper Co. J'ai commandé des collants la semaine dernière, donc environ une semaine plus tard, ils sont arrivés. Et c'est écrit Happy Mail, donc c'est trop cool. Alors j'ai attendu, j'ouvre avec vous. J'ai bien hâte de les voir. Malheureusement, l'enveloppe a été un petit peu pliée dans le transport. Probablement la faute des facteurs qui savent pas que c'est des magnifiques collants. Waouh! Ah, ils sont donc bien beaux. Je m'en souvenais plus qu'est-ce que j'avais commandé. Alors, cette enveloppe. Je suis excitée! Bon, alors, ouais, ils ont un peu été pliés dans le transport, malheureusement, mais ça devrait pas trop paraître. Alors, le premier que j'ai commandé, c'est un kit avec des petites bicyclettes. Je le trouvais trop mignon. Et des fleurs. Alors, 4 boîtes pleines, 4 half boxes, des petits teardrops, des petites gouttes, trop mignonnes. Des drapeaux, un weekend banner. Très beau, sont très beaux les collants. Ils sont morts. Et ils se défoncent super bien. Super, super beau. Premier kit. Deuxième kit, bleu et rose avec des fleurs, des petits points. Ici avec des chevrons, c'est quoi en français? Aïe, 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 il va falloir que je m'adapte avec les termes français vu que j'ai décidé de parler français. Oh, super beau. Les idées, c'est pour moi ça. C'est pour moi, les idées. Oh, et mon troisième kit avec texture de bois et de fleurs. Les patrons. Pattern. Minou, c'est quoi le bruit que tu fais? Mon chat regarde des oiseaux par la fenêtre puis a fait des sons vraiment bizarres. Je sais pas si vous l'entendez, mais bon. Fait que ça, c'est le troisième kit. Ils sont super beaux, je suis vraiment contente. Puis après, j'ai commandé aussi des petits teardrops. Deux! Hey, j'étais fort. Ils sont mini, ils sont cute. Plein de belles couleurs. Ensuite, j'ai commandé des petits Etsy parce que je veux un magasin. En fait, j'en ai un que je vends des trucs à imprimer, des collants à imprimer. Et dans le futur, j'aimerais beaucoup vendre des vrais collants. J'ai commencé à en faire chez ma mère, mais j'attends parce qu'elle a la silhouette, mais pas moi, mais elle va m'apprêter. Wouhou! J'ai commencé à me pratiquer, mais j'attends d'avoir... plus d'expérience dans la fabrication de collants pour qu'ils soient beaux et pour vendre du beau stock et non de la cochonnerie. Fait que Etsy sont super beaux. Et oh, un sample! Il est trop beau! J'adore les week-ends! Waouh! Je vais les utiliser pour décorer cette semaine. Alors, restez à l'affût pour mon prochain vidéo. Merci d'écouter et n'oubliez pas de liker si vous likez mon vidéo et commentez toutes vos questions, commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bye bye!